Je me souviens de l'époque où les gens m'appelaient Jésus. Trop doux pour ce monde, donc issue prévue. Et au fond, le quartier, un plan dessiné pour Issa. Partager le pain, entouré par 11 Judas. Sorti en D-Bac, fait mes classes sur le tas. Montage de l'ombre, extrait droit. De nulle part, chez d'où je viens, je vais pas dévier. Sans biberon à l'eau des viands, élevé à l'eau de l'évier. Dès le premier combat, j'ai dû chuter de haut. Perdu les mots. Quand les balles ont fusé dans le dos, rien à faire, nos pas de loup sont des pieds de biche. Ah, la guerre des pauvres, c'est la paix des riches. Et t'as beau être un gars super normal, ils veulent changer ta foutue bonne étoile en supernova. Emprisonner nos jours dans les petits délits. Je vois les montagnes sur le sol comme la prédit Ellie. Je veux ni de cadeaux, ni carton, ni papier mec, ni de prison, ni caveau, ni clapier mec. Je veux l'uniformité en toutes choses. J'aurai ni brigadier, ni maton, ni quartier maître. Fatigué d'écouter les haineux monologues et les leçons de vie des faux journalistes et leur mode. Depuis longtemps petit, le nom a un prix. On met la thune sur le cheval qui a déjà du crédit et comprend. Je n'y peux rien, ainsi va le monde, je n'ai que mes mots bro. Pour alimenter ma prose, entends mes propos et leur colère qui gronde. C'est l'impasse lorsque l'art ne peut plus changer les choses. Je peux encaisser leur histoire, les mensonges et les alibis. Les alibis, ouais. Bien trop courte est leur mémoire. Le mal qui les ronge, les avilis. La lame pointée sur eux-mêmes. Je l'ai pas du tout limite, je les plains. On ne va pas rejouer les scènes. Je pardonne tout, mais je n'oublie rien. Dur de pardonner la trahison, je digère pas. Ça me fait penser à une histoire sur deux petites chez moi. Un avait les cleans, l'autre avait le cash. Ils ont fait un snap, livraison de weed, livraison de mash. Des livreurs dans tout le département. Produit bien coffré, aucun risque de débarquement. Y'en a un qui coffre, y'en a un qui claque. Celui qui coffre dit à celui qui claque, faut que tu coffres, la vie met des claques. D'ailleurs ça a pas traîné, celui qui claque rentre en prison pour une affaire traînée. Bref, l'autre il assume normal jusqu'à la fin de sa peine. Entre temps les choses ont changé, le snap il marche plus pareil. Celui qui coffre il veut rien savoir, il veut vendre l'affaire. Mais l'autre il sort de Hebs, une main devant, une main derrière. Y'a un acheteur à 100k, ça fait 5 ans chacun. Vaut mieux les prendre avant de reprendre encore 5 ans chacun. Donc ils vendent le snap, prennent le cash. Mais 50k c'est pas assez pour prendre le large. Mais assez pour qu'une amitié soit violée. Je te laisse deviner qui s'est fait cambrioler. Tout s'est violé. J'peux encaisser leur histoire, les mensonges et les alibis. Les alibis, ouais. Bien trop courte est leur mémoire. Le mal qui les ronge, les avilis. Il les avilis. La lame pointe sur eux-mêmes. Je l'ai pas du tout limite, je les plains. On ne va pas rejouer les scènes. Je pardonne tout, mais je n'oublie rien.